Ça commence à fleurir. Moi, je vais faire une petite promenade par là-haut. D'abord à travers champs. Ensuite, je vais rejoindre le chemin forestier. Je vais monter jusqu'au chalet du Saulier qui sont dans le creux. Et puis, je verrai bien, mais peut-être faire un tour au sommet du Roc des Bœufs. Il y a encore de la neige. On peut suivre tout le long la route forestière du Villard. On arrive alors à un embranchement où il faut prendre à gauche pour aller vers les chalets du Saulier. Donc ne pas aller tout droit direction le mont. Ça va grimper. Me voilà arrivé à l'alpage du Saulier. Il y a de la neige. Bon, je vais voir si je peux monter là-haut ou pas, on verra bien. J'ai chaussé les raquettes au Glood et puis on va voir ce que ça donne. Eh bien, je vais m'arrêter là. Je suis juste au-dessus des chalets du Saulier parce que je suis crevé. Ça fait un mois que j'ai pas bougé. En plus, la neige est très lourde. Les raquettes glissent un peu dans la pente. Tiens, bel arbre là. Joli être. Voilà les chalets. Je vais reprendre l'épaule. Puis après, je récupérerai le chemin qui va du mont au Villard. Le Semnoz en face. Apparemment, il n'y a plus personne qui skie. Non, c'est fermé. Ouais, j'irai peut-être faire un tour dans les jours prochains pour me promener.